Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, j'ai la tête d'une folle, c'est normal, je viens de défaire mes cheveux. Je suis avec ma petite soeur Ama. Tu dis bonjour Ama. Et je suis aussi avec mon petit chat, Omalé. Donc là, je viens de me défaire les cheveux. J'ai des cheveux blancs, c'est normal. Et je vais faire un défrisage. Je sais, vous allez crier scandale. Mais ne criez pas scandale, ça fait 4 ans que j'ai mes cheveux comme ça. Et c'est bon là, j'ai décidé de me les défriser, je prendrai soin. Et du coup, je vais vous montrer mon défrisage. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale défrisage. Ça ne va même pas être un vlog, ça va être une vidéo défrisage. Du coup, je vous montre tout ça. J'ai acheté un défrisage sans soude. Dark and Lovely, ça ne défrise pas, ça les détend, on va dire. Ça détend les cheveux et c'est fait pour. Et c'est sans soude et c'est fait pour les cheveux longs. Voilà, notamment mes cheveux. Je suis contente d'avoir enlevé les tresses et je n'en peux plus d'avoir les cheveux comme ça parce qu'à chaque fois que je me coiffe, que j'enlève les tresses, quand je les lave après, mes cheveux deviennent gonflés, vraiment la frouille et j'aimerais bien que ça soit un peu raide. Voilà. Après, pour ceux qui comprennent, tant mieux. Pour ceux qui ne comprennent pas, commencez pas à m'écrire sous les messages. C'est pas bien le défrisage. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Je fais ce que je veux, c'est mes cheveux. Voilà. Sinon, pour le reste, suivez-moi, on continue et je vais vous montrer ce que je vais faire. Allez, à de suite. Je vais vous montrer déjà tout ce qu'il y a dans la boîte de défrisage. Omalé, il est encore là. Il me suit partout, ce chat, c'est un truc de fou. Il me suit partout. Dans la boîte, il y a plusieurs éléments. Il y a le défrisage, c'est celui-là, c'est le relaxant en fait. Un activateur en fait, en crème à base de karité. Le numéro 2, c'est le shampoing. Et pour finir, j'ai un conditionneur, un masque démêlant. Une paire de gants normalement. En plus, je n'ai même pas de gants chez moi. D'habitude, j'en avais toujours. Avant, il y a très longtemps, quand je faisais tout le temps, tous les 2-3 mois. C'était 2-3 fois par an, je me défrisais les cheveux avant. Mais j'avais toujours plein de gants à la maison. Parce que je n'aime pas du tout leurs gants. Mais là, je n'ai pas le choix parce que j'ai plus de gants. Puisque ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas mis de défrisage sur mes cheveux. Voilà, j'ai ça. Et j'ai une petite cuillère en bois pour mélanger. Non. Malé, pousse-toi. Non. Mon chat parce que je trouve que c'est super dangereux qu'il reste là avec moi alors que j'ai le produit qui est super nocif. Donc maintenant c'est parti, on va commencer. Il me faut des gants, mon peigne à queue comme ça plus mon gros peigne et aussi bien sûr le pot de défrisage. Voilà, c'est parti, on va commencer. J'ai un peu le trac, vous imaginez, au bout de 4 ans et demi, ça y est. Mais franchement, je suis restée nappie pendant plus de 4, ça va faire bientôt 5 ans. Je crois que ça va faire 5 ans au mois de mai cette année, normalement, c'est ça. Ça va faire 5 ans cette année au mois de mai. Et je suis restée nappie et ça n'a pas changé grand-chose. Donc là, pour me soulager un peu, pour que j'ai pu laisser mes cheveux comme ça, je vais les défriser cette année pour voir bien ce que ça donne. Déjà aujourd'hui. Il est encore revenu, c'est pas possible. On m'a dit, va-t'en, il est encore revenu.
suis en train de parler avec Chaton au téléphone, du coup j'ai appelé Rama pour appuyer sur le téléphone pour mettre la caméra en route. J'ai pas compris là. J'ai une tête ronde. Oui, elle a une tête ronde, elle a la tête à mon père. Et moi j'ai une tête ovale, j'ai la tête à ma mère. J'ai la tête à ma mère, comme je vous ai dit dans une seule vidéo, quand elle avait mon âge. Quand ma mère elle avait d'aller 20-30 ans, elle avait la même tête que moi. Mais un peu plus claire, parce que ma mère elle est plus claire que moi de peau. Et moi j'ai le teint à mon père, je suis un peu plus foncé comme mon père, mais avec une tête comme ma mère. Et Ramel a la tête à mon père. Et Marie elle a la tête à ma mère, mais actuellement. Parce que du coup ma mère elle est un peu forte, donc elle a la tête à ma mère actuellement. Et Anissa elle a ma tête, il paraît. Momo, il a la tête à sa mère aussi. Franchement, je pense que ça a bien pris là. Je ne vais pas rester trop longtemps. Là, ça fait déjà... J'ai parlé 5 minutes avec Chaton. Je pense que là, ça fait déjà 10 minutes que j'ai le défrisage sur la tête. Je vais essayer vite fait de remonter un peu les cheveux de devant et de derrière. Et après, je vais aller me laver les cheveux. C'est trop bien de faire vidéo. C'est trop bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Tu te filmes quoi? Tu te filmes en train de faire des choses chez toi. Normal. Tu faire des guillemets, non? Moi, j'adore faire ça. J'ai hâte de me faire un guillemets, de faire toutes les vidéos avec guillemets et toi. Ouais, les gens sont bien. Ils montrent pas ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont. C'est un peu chaud là. De chez L'Occitane au 5 huiles essentielles que j'hésite à mélanger avec le masque qui est à l'intérieur. Je pense que je vais mélanger les deux parce que je pense que ça va être bien, ça va de parité. Donc je vais mélanger ça et ça et me mettre ça sur la tête. Et après me mettre de l'aluminium, de papier sulfurisé, et puis je vais laisser puis je vais aller sous la douche. Je vais laisser 5-10 minutes avant d'aller sous la douche, me rincer les cheveux, me rincer et me laver le corps. Alors les ciseaux. Ça fait du bien, franchement, pour l'instant je suis contente. Ça fait vraiment du bien. Regardez, le masque se présente comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez. Vas-y, tu peux aller à ton journal. Elle regardait le journal avant que je l'appelle. C'est fini, il n'y a rien d'intéressant. Sérieux. Arrête de ramasser le truc. Et dans quelques mois, je vais aller me faire un soin à la kératine dans un salon de coiffure. J'ai ma cousine qui travaille dans un salon, là où elle travaille, t'as des tout. J'ai ma cousine, hein, s'il te plaît. J'ai ma cousine qui travaille dans un salon et je pense que je vais aller là-bas me faire un soin à la kératine parce qu'elle se fait des soins à la kératine et ses cheveux sont magnifiques. Donc du coup, je pense que je vais aller me faire la même chose. Ouais, c'est trop bien. Ses cheveux sont vraiment super beaux, donc... Franchement, je pense que je vais me faire la même chose aussi dans le mois prochain, normalement. Que les masques comme ça, les gens qui ont beaucoup de cheveux, ça coûte 26 euros. Et moi, quand j'en mets, je mets presque la moitié, quoi. Genre, j'en ai pour 2-3 utilisations. Donc, les gens qui achètent des masques qui sont super chers, vous faites comment, en fait? Vous n'en mettez pas beaucoup, en réalité. Que là, regarde, je mets, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez. Parce que pour moi, un masque, j'ai besoin genre que je veux soit... Toi, tu veux qu'il soit en idée de... Oui, voilà, de masque, c'est ça.
Mais là, je vais arrêter là parce que ça coûte super cher ce masque et je sais qu'il est bien. C'est le nouveau masque de chez L'Occitane. Masque baume nourrissant. Et comme mes cheveux là, je les ai fragilisés, donc je pense que ça va leur faire du bien ça. Maintenant, on va mettre ce papier sulfurisé et puis on va laisser chauffer un tout petit peu. Je vais mettre papier sulfurisé, un bonnet et puis je vais nettoyer parce que regardez ce que ça donne. Par contre, c'est mon chat. Ah, on m'a les casse tous. Allez, va-t'en, allez, regardez. Il y a un bordel pas possible, donc du coup, je vais nettoyer en attendant que mes cheveux, le masque, ils prennent bien. Alors, à tout à l'heure. Hello. Là, on se retrouve. Il est. Ça fait plus de 20 minutes, même une demi-heure. J'ai mis du papier de sulfurisé sur la tête avec mon bonnet pour que ça chauffe bien. Et là, je vais aller sous la douche. Regardez ce que ça donne, attendez. Ça a bien chauffé. C'est resté plus d'une demi-heure. Et là, du coup, je vais aller me laver et en même temps me rincer les cheveux. Et on se retrouve plus tard. Comme ça, je vous montre ce que ça donne. Mais là, franchement, c'est bien parce que maintenant, je vois vraiment la longueur de mes cheveux parce que je n'avais pas du tout quelle longueur j'avais en réalité. Voilà. Allez, je file sous la douche. Ça y est, je sors de la douche. J'aime trop ce que ça donne. Franchement, ça fait trop, trop bien, vous voyez. La texture, j'aime trop la texture. Là, j'ai juste séché avec une serviette. Et ça va. Ça a défrisé, mais c'est pas raide, raide. C'est comme je voulais exactement. Je sais pas trop, je vais vous montrer comme ça, vous voyez ce que ça donne. C'est défrisé, mais c'est pas raide, quoi. J'ai des taches, là. Du coup, ce que je vais faire, là, j'ai de l'huile de ricin. Je vais mettre de l'huile. Je dois avoir quelques soins, normalement, pour mes cheveux. Je mets de l'huile de ricin, un peu de beurre de karité, puis je vais laisser comme ça. Je vais juste laisser lâcher. Ça va être trop, trop plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé de cheveux avec une bonne texture. Par contre, il faut aller doucement quand on peigne parce que comme les cheveux sont super fragiles, il faut aller vraiment tout en douceur. C'est pour ça que j'utilise mon gros peigne. Et après, on l'a séché. Voilà. Pour l'instant, franchement, je ne regrette pas du tout. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, je vous laisse et à bientôt pour un nouveau vlog.